Bienvenue sur Non Extrémé, la radio résistante et la télé résistante, que tu n'es pas sans connaître, je crois. Absolument. On se rencontre aujourd'hui dans un cadre bien particulier, puisque tu vas nous raconter une aventure que tu t'apprêtes à démarrer là. Dans quelques minutes, en fait, à vrai dire. Eh bien, avant d'en parler de cette aventure, on va essayer de te présenter, Pierre, savoir qui es-tu, que fais-tu et que penses-tu. On va faire ça alors. Ben oui, allons-y. Qui es-tu, Pierre? Ben, je suis un citoyen relativement normal, me semble-t-il. Je suis quelqu'un du peuple. Hein. Je suis pas économiste, je suis pas politicien. Je suis quelqu'un qui a eu des expériences comme tout le monde de petits boulots alimentaires. Voilà qui je suis. D'accord. Une profession? Une profession, pas plus que ça. Pendant des années, en fait, je voulais me tourner vers l'audiovisuel, mais c'était un milieu assez difficile à atteindre puisqu'il fallait des études relativement chères à payer et j'avais pas les moyens, donc je me suis tourné vers des boulots qui étaient plutôt là pour m'alimenter. J'ai fait un petit peu de tout, j'ai été pion, j'ai été même croque-mort. Dernièrement, j'ai fait un boulot par contre relativement intéressant. J'étais sur Paris et je faisais l'animation dans un hôpital psychiatrique. Et j'ai quitté ce boulot pour me préparer à ce projet. D'accord. Un boulot, une vie, une histoire. Pierre, il a surtout fait un constat. Un constat sur le monde qui l'entoure et sur ce que ça a influencé sur sa vie. Et de ce constat, il en a pas mal à dire, Pierre. Ben ouais, en fait, je pense que c'est pas un constat qui est évident à faire. Je pense que les choses les plus évidentes, c'est bizarre, hein, mais je pense que les choses les plus évidentes sont pas les plus simples à saisir. Je crois que pendant des milliers d'années, des millions d'années, tous les êtres vivants ont observé qu'une pomme, si elle était sur une plante, elle roulait. Et pourtant, il nous a fallu des milliers d'années pour réaliser qu'on pouvait en faire un outil, la roue. Donc je pense que les idées simples ne sont pas les plus faciles à voir. Et pourtant, aujourd'hui, le monde va très très mal. Ça devrait être relativement simple à voir, simple à comprendre qu'il y a des causes à ça. Et pourtant, on voit très peu ça. Et moi-même, pendant des années, alors que je m'intéressais au monde, je n'avais pas saisi qu'il y avait des causalités évidentes. D'accord, donc c'est un constat sur le monde, simple. Oui. Quel est-il ? Bien que les règles du jeu sont des règles du jeu qui nous conduisent vers une très mauvaise pente, parce qu'on a finalement une gestion des biens et des services qui se fait par le biais d'un argent qui est devenu un argent fictif, qui ne correspond plus aux ressources. Ça, c'est déjà un point essentiel. Je pense qu'il faudrait réellement que tout le monde puisse s'intéresser à ce qu'on appelle notamment la création monétaire, essayer de comprendre ce que c'est que de la dette, puisque la dette, on en entend parler partout, mais au final... la dette, ça n'est pas de l'argent. La dette, c'est une promesse de donner de l'argent. Et cette promesse de donner de l'argent est comptabilisée dans ce qu'on appelle l'argent. Elle a même pris la proportion la plus grande, ce qui fait que ce qui régule nos vies, notre accès aux biens et aux services, ce qui est important pour notre survie, se base sur une fiction. Et cette fiction qui était, cet argent qui était un moyen, en fait, un outil de régulation de l'offre et de la demande de biens et de services, est devenu la fin. Et ça nous conduit vers des choix qui sont très mauvais pour nous. D'accord. Donc, un constat, la création monétaire, un problème, c'est déjà une première partie du... Absolument. Absolument. C'est le premier problème. Puis il y a un autre problème, à mon avis, qui devrait être vraiment soulevé, parce que là, c'est aussi un constat, ce n'est pas un avis, c'est du factuel. Le fait que notre subsistance se fasse par le biais de l'argent et que cet argent, on puisse l'obtenir par le biais d'un travail, c'est réellement un problème dans un monde où le travail disparaît petit à petit. Et ça, en fait, c'est très mécanique et c'est très facile à comprendre si vraiment on regarde les choses. Depuis 1800, c'est-à-dire finalement rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité, un tout petit pourcentage de rien, on a basculé dans ce qu'on pourrait appeler une période de haute énergie. C'est-à-dire que jusque dans les années 1800, finalement, le plus grand outil, la plus grande force d'énergie dévolue au travail, c'était nous-mêmes, l'être humain. Et en fait, on est très limité dans notre capacité à produire de l'énergie en vue d'un travail. Et c'est vrai que depuis 1800, il y a eu des bouleversements énormes dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu... En 1781, me semble-t-il, l'invention du moteur à vapeur. Et ça a amené toute une série d'outils, en fait, de conversion d'énergie en travail qui ont fait que, très, très logiquement, l'humain a été remplacé dans le travail. Ça, on peut le constater de manière évidente sur le secteur primaire, celui de l'agriculture. On sait très bien qu'en 1800, une très grosse proportion, alors,
75% a priori, 75% des actifs français travaillaient dans le secteur de l'agriculture, c'est très logique. Là où il fallait 50 personnes en 1800 pour récolter du blé, une seule personne aujourd'hui avec une moissonneuse-batteuse fait le même travail, le même rendu en termes de... Voire plus évidemment. Oui. Donc c'est réellement un problème si notre subsistance se fait par le biais du travail, que ce travail se barre, ça devient un problème essentiel pour la subsistance. Et je pense que c'est ça c'est vraiment le nœud central de nos problèmes, parce que c'est avec cette donnée-là qu'on a besoin de créer du travail factice, en fait. Aujourd'hui, la plupart des Français sont dans le tertiaire à faire des boulots qui n'ont aucune pertinence, en fait, en termes d'une production réelle de quelque chose. La pertinence d'un travail aujourd'hui, et ça c'est complètement fou, c'est simplement d'avoir une activité rémunérée qui nous permette de subsister à nos besoins, quoi. C'est-à-dire pouvoir manger, s'alimenter, se loger et puis payer nos factures. Donc c'est ce qu'on cherche, on trouve un boulot, on ne se pose pas réellement la question de la vraie pertinence en termes de production de ce qu'on fait. Et c'est vrai que pour pouvoir maintenir des emplois, eh ben, il faut une économie de type cyclique. Il faut que ce qui soit produit soit renouvelé très rapidement pour qu'une institution comme une entreprise puisse durer. Et c'est très logique, une entreprise n'est ni méchante ni gentille. Une entreprise, elle est nourricière. Elle a des patrons, des salariés, des actionnaires. Les gens ne sont pas mauvais en soi dedans, mais c'est vrai qu'un actionnaire, lui, ce qu'il voit, c'est que son petit placement, il faut que ce soit en plus plutôt qu'en moins. Et si le choix global ne va pas dans un sens social, ne va pas dans un sens écologique, mais amène du plus en termes pécuniaires, le petit actionnaire ne le voit pas forcément. Lui, ce qu'il voit, c'est du plus du moins. Le salarié, c'est pareil. Le salarié, lui, il a besoin qu'il ait la feuille de paye en fin de mois. Donc, c'est... Nos choix, nous, dans une vision globale, sont très limités. C'est un besoin systémique, c'est pas un besoin humain. C'est un besoin systémique, absolument. Au niveau du besoin humain, je pense qu'on aurait des choix très différents à faire et un gain en confort de vie énorme à changer. Et puis, de toute manière, je pense que si réellement on raisonne pragmatiquement, on a très peu de choix. C'est ou ça ira très mal, ou ça ira très bien, mais on ne va pas pouvoir rester dans le statu quo, et on voit que le système est en train de s'effriter en ce moment. Alors pourquoi Pierre fait ce constat? Pourquoi il arrive à l'exposer aussi bien? Ça semble simple à comprendre finalement. L'argument est posé avec, me semble-t-il, pas mal de justesse. Pourquoi finalement ceux qui sont censés tirer cette sonnette d'alarme, c'est-à-dire le gouvernement, ne le font pas? Pourquoi c'est Pierre Cardonnel qui, à un moment donné, prend la parole et s'exprime sur le sujet, bien que, soyons d'accord, d'autres le disent aussi, mais... Pierre se lance, ou en tout cas médiatiquement, il essaie de faire valoir cette opinion-là. Mais fondamentalement, là aussi, je pense qu'ils ne sont pas mauvais, en fait. Je pense que c'est la situation qui crée les situations personnelles de chacun. Je pense que les hommes politiques, aujourd'hui, en fait, ils ne connaissent pas la vie des gens. Je pense que ça n'est pas leur faute. Ils ont été souvent élevés dans des milieux sociaux qui ne leur ont pas permis d'aborder le quotidien des gens de manière sensorielle. Je pense qu'un homme politique ne sait pas quel goût ça a, une boîte de ravioli Lidl. Je pense qu'un homme politique aujourd'hui ne sait pas ce que c'est que d'attendre dans une file du Pôle emploi et d'avoir cette sorte d'humiliation à les mendier, quelque chose qui est a priori un droit. Et donc je ne peux pas leur en vouloir de ça. Là où je me dis qu'il faudrait peut-être de l'humilité de leur part, ça serait d'essayer de se dire que s'ils ne comprennent pas ça, ça n'est pas, c'est une question en fait de... On va reprendre parce que là tu m'as perturbé. Je pense que si les hommes politiques ne se rendent pas compte de ça aujourd'hui, c'est en fait une sorte d'impasse, parce que essayer de comprendre ce qui se passe, avoir de l'empathie, c'est pas une faiblesse, c'est essayer de penser en relief, d'avoir un maximum de points de vue sur quelque chose, c'est vraiment penser la chose. Si on a qu'un seul type de pensée, on pense en 2D. Et je pense qu'aujourd'hui, ils pensent en 2D. Et puis après, simplement dans les avantages de leur quotidien, oui, ils sont dans une sorte de panier ouvert où ils se servent, personne ne leur dit stop, on ne peut pas leur en vouloir à un moment donné de se servir. Je pense que ça, c'est une responsabilité de chacun de comprendre que la situation dans laquelle on est, elle n'est pas due à un tel ou un tel type de société, tel type de responsable. Je pense qu'en fait, si j'avais une image à donner, moi je fonctionne en image. Je sais que j'ai besoin de visionner les choses.
j'ai du mal à penser de manière abstraite, j'ai besoin de beaucoup visionner. L'image que j'aurai aujourd'hui, c'est que des plus puissants aux plus faibles, à tous les niveaux, on se tient tous par des paires de menottes. On est tous liés et on est très prisonniers. Et en fait, il y a une clé. Il y a une clé à ces menottes. Et en fait, elle est vraiment pas loin. Si on cherche un peu, cette clé, elle est dans notre tête. Tout simplement. C'est l'image que je donnerai. D'accord. Bon, le constat étant posé, on revient à notre petite phrase de départ. Pierre a un projet et ce projet démarre aujourd'hui. Absolument. Alors on se doute qu'il doit être lié au constat que Pierre fait. C'est quoi ce projet? Alors ce projet, eh bien, il est relativement fou. Je vais me présenter au présidentiel pour essayer de profiter de ce débat politique pour amener justement finalement le maximum de personnes à se poser ce qui me semble être les vraies questions et qui ne sont pas abordées dans le cadre du débat politique traditionnel. Donc en fait, ce qui se passe très réellement, c'est que j'ai fait il y a 2 ans de cela un tour de France à pied de 5000 km en 6 mois. Ça n'avait rien de politique, j'étais même pas à ce moment-là dans une idée, j'avais pas fait ce constat-là, c'était vraiment ça une aventure. Mais le contact avec les gens que j'ai pu avoir, la dimension de marche, de prise de temps, de réflexion, la symbolique de la marche en elle-même, tout ceci m'a conduit, une fois que j'ai fait le constat de notre société actuelle, à me dire, tiens, il faut lier ça, parce que c'est quelque chose qui va avec. Et donc, bon, il y a une vision pratique aussi des choses. Moi, j'ai pas de moyens. Je pense qu'aujourd'hui, la politique fait en sorte que pour se présenter à une candidature au présidentiel, ben, il faut être très riche. Il faut avoir de très gros soutiens financiers. Et moi, ben, je suis quelqu'un qui ne suis pas riche. Moi, j'ai quitté mon boulot il y a 5 mois maintenant pour me consacrer justement à cette campagne. J'ai touché un peu de chômage entre-temps, même si ça a été difficile. Toutes les personnes qui sont au Pôle emploi savent que c'est pas forcément facile d'obtenir ces droits. Et j'arrête mon chômage, là, puisque je suis cohérent avec moi-même, je suis pas à la recherche d'emploi. Donc je vais vivre sur mes dernières petites économies. Et donc, avec mes faibles moyens, eh ben, je vais partir à pied, chercher en fait ces fameux 500 parrainages d'élus nécessaires à la candidature, ouais, au présidentiel. Je vais les chercher à pied. Et donc, moi, je ne vais pas demander le moindre centime à personne. Ce que je demande, par contre, en termes de soutien logistique à cette campagne, c'est d'être hébergé le soir dans les communes où je passe. Alors, j'ai créé un site internet avec un ami qui m'a énormément aidé, où il y a les lieux, le calendrier, grosso modo des endroits où je passe, et les gens peuvent éventuellement m'héberger. Alors, je ne m'attends pas à être accueilli comme un pape, c'est absolument pas le but en termes logistique pur, c'est un endroit où dormir, une douche, de quoi manger. En revanche, c'est pas ça à mon avis l'essentiel. L'essentiel, ça va être aussi la rencontre, le débat. Il y aura un carnet de bord vidéo qui sera tenu sur le site, où il y aura mes journées de marche et puis aussi les rencontres qui se font. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre des gens, de leurs réflexions. Moi, je pars avec des idées, mais ce ne sont pas des idées définitives. Mmh. Ça, j'ai pu apprendre qu'en 2 ans de temps où beaucoup de choses ont changé dans ma vie, les idées ne doivent pas être définitives. Donc, j'attends aussi beaucoup des gens dans le débat pour que les choses avancent. Mmh. Et voilà, je pense que ça peut être une aventure extraordinaire. Elle sera difficile de temps en temps. Par exemple, aujourd'hui, bien, je pars avec des premières grosses journées de pluie. Et puis ça, je sais que pour la marche, c'est pas évident, mais on le fait. Alors, c'est quoi le projet? Il a un nom, EBR 2012. Absolument. Hein, c'est d'ailleurs le site www.ebr2012.com. Il y a un projet, il y a un objectif derrière, il y a une proposition quand même. Il y a une proposition, alors c'est pas une proposition définitive là non plus, puisque je prétends pas apporter de solution. Ça, je crois que c'est une erreur de la politique actuellement, penser que quelqu'un, une seule personne, puisse apporter des solutions ou prétendre en apporter. Mais c'est plutôt, à mon avis, des axes de questionnement que j'ai envie de proposer aux gens, et peut-être des outils de contribution qui nous permettrait justement d'avoir une réflexion globale. Je pense que l'intelligence collective est supérieure à toute intelligence individuelle. Et
il faut vraiment qu'on se dote des outils pour pouvoir essayer de donner une structure à cette intelligence collective qui est extrême aujourd'hui en termes de... Dans une globalité mondiale, on connaît tout. On a tous les savoir-faire, toutes les technologies, toutes les sciences, toutes les idées créatives. Mais il faut quelque chose de centralisateur pour qu'on puisse les affiner, les intercroiser, les réfléchir communément. Les exploiter. Les exploiter, absolument. Ça, c'est évidemment. On en exploite peu, finalement, des technologies. On en exploite très peu, mais là aussi, je pense qu'on est... On a ce très mauvais réflexe d'être fataliste, parce que c'est vrai que les choses vont très mal. On a toutes les raisons d'être en colère, d'avoir peur et de se dire que tout est foutu. Maintenant, ce que je pense, c'est que le fatalisme n'a jamais rien fait dans l'histoire de l'humanité. C'est pas les fatalistes qui ont découvert l'Amérique, c'est pas les fatalistes qui sont allés sur la Lune ou dans l'espace. Si on avait été vraiment fataliste, dès le départ, on n'aurait même pas été dans des grottes. Je pense qu'il n'y a jamais eu que du changement dans l'histoire de l'humanité, et finalement, je crois que si réellement on regarde quels sont nos outils, après avoir fait le constat de ce qui va mal, quels sont nos outils pour pouvoir donner une réponse à ça et avancer, on peut avoir beaucoup d'espoir. Moi j'ai beaucoup d'espoir, collectivement, je pense que si tout d'un coup on réalise qu'on peut calmer le jeu, il suffit de faire ce qu'on fait dans la vie réelle quand on a une situation de crise, on ne court pas dans tous les sens et on ne se met pas par terre à pleurer en se disant « j'espère que ça ne va pas passer », ça c'est enfantin comme comportement. On respire un grand coup, on analyse ce qui se passe, on se demande quels sont nos moyens d'action, nos outils, etc. Puis on y va. Et ça, je pense que communément, c'est indispensable qu'on le fasse. Quel regard as-tu sur ce mouvement très récent là, des indignés qui est parti d'Espagne et que peut-être tu risques de croiser sur ton chemin? Quel discours tu as envie de tenir par rapport à leur action et quel message tu auras envie de faire passer autour de ce mouvement-là? Écoutez, je pense que c'est déjà un mouvement qui est extrêmement révélateur de ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'en ce moment, le monde est dans une sorte de frissonnement parce que justement les choses sont amenées à changer. Elles ne sont pas forcément amenées à changer parce qu'on l'aurait décidé, mais la situation basée sur cette folie exponentielle de gaspillage, de consommation, d'argent fictif, de misère des gens. Enfin déjà, ne serait-ce que l'idée de se dire, dans un monde où il y aurait de plus en plus de progrès, a priori, le progrès devrait être aussi social. Normalement, les gens devraient être de plus en plus heureux. Or, on se rend compte que les gens se sentent de plus en plus enfermés dans un cadre de vie où leur choix de vie, leur liberté de pouvoir faire ceci ou cela, de pouvoir contribuer à ceci ou cela, est très très limitée. Et ça, là, on s'en rend compte vraiment. Puis maintenant, c'est peut-être un petit peu vulgaire ce que je vais dire, mais ça, je l'ai souvent pensé. Quand on dit « attention, les enfants vont avoir mal au cul », en général, on bronche pas trop. Quand on te dit « attention, tu vas avoir mal au cul », on a tendance à pas trop broncher non plus. Et quand tu as mal au cul, à un moment donné, tu te réveilles. Et là, je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Et ces mouvements, les indignés, eh bien, à mon avis, je pense que c'est... C'est des gens qui ont mal au cul. C'est des gens qui ont mal au cul, et puis c'est assez... En fait, c'est un mouvement très naturel qui est en train d'arriver. Alors maintenant, qu'est-ce que ça peut amener? Je pense qu'il faut que ça ne soit pas seulement dans la protestation, mais je pense que la plupart des gens qui sont là-bas ne sont pas seulement dans la protestation. La protestation étant une partie de leur chose. Mais je pense qu'il faut vraiment aussi qu'on soit constructif. Si on veut remplacer le modèle actuel, il faut qu'on se dote d'outils pour le faire, d'outils de réflexion, etc. Encore une fois, je ne prétends pas apporter de solution, simplement... Si j'avais un message à donner aux indignés, etc., ne voyez pas ce que je fais comme un type qui aimerait se présenter au président. Ce n'est pas le but. Moi, je ne cherche pas de président. En fait, je m'en fous, à vrai dire. Je pense qu'on ne devrait pas penser en termes d'homme politique qui régit le tout, de représentant. Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques, en fait, réellement, si on réfléchit, de pouvoir tous se représenter. On devrait changer complètement de système de gestion des choses. Donc, moi, ma démarche... La cinquième, en fait. Mais même, je pense que ça devrait aller plus loin que ça. Je pense qu'aujourd'hui, une notion comme la notion de pays, elle est plus pertinente. Je veux dire, ça me fait penser un petit peu aux villages médiévaux où il y avait des remparts autour. C'était pertinent à cette époque, ça n'est plus du tout aujourd'hui. Et la notion de pays, en fait, je pense qu'elle a ce problème de mettre un endroit géographique en concurrence avec les autres, puisque cet endroit géographique, les hommes politiques, puisque c'est aujourd'hui le travail qui amène la subsistance aux gens, il faut que la notion de travail aille bien. Donc, il faut que les entreprises chez soi aillent bien. Et en fait,
c'est très problématique parce qu'un pays, indépendamment des conséquences de ce qu'il pourra faire, va prendre les options qui feront que les gens essayent, enfin en tout cas de donner l'impression de se battre pour, peut-être en le faisant de manière très maladroite, mais va essayer de faire en sorte que ça aille bien chez lui au détriment des autres endroits. Et ça, dans un monde, en fait, dont on a compris qu'il n'était pas globalisé par une envie, etc., mais on sait, on a compris maintenant qu'on est dans un monde, dans un écosystème où tous les éléments sont en interdépendance. On sait qu'on vire les abeilles, c'est tout le cycle qui prend une claque. Et on sait qu'à tous les niveaux, il faut qu'on fasse très gaffe à l'ensemble de ce cycle. Et donc, raisonner en termes de concurrence, en termes d'endroits géographiques, d'entités géographiques, ça n'est plus pertinent. Au contraire, je pense que c'est extrêmement dangereux. Alors, je sais que ça peut être très troublant et je sais que les gens sont attachés à ces valeurs de territoriales. Moi, je vais vous dire, je suis fier d'être français, non pas pour un drapeau, non pas pour des frontières, mais simplement parce que j'aime bien les trucs d'ici. J'aime bien la tradition de l'apéro, qui a un vrai lien social. J'aime bien certes, moi, quand j'ai fait mon tour de France, j'ai vu qu'on était un beau pays, dans le sens où c'est vrai qu'il est beau en termes de paysage, mais aussi en termes de gens. Et donc, je pense que si réellement on se rend compte qu'on n'a pas besoin de frontières pour être rassuré là-dedans, et que ce qui fait, par exemple, ici, qu'on est français, ce n'est pas nos frontières, c'est le type de blague qu'on se fait, c'est la culture collective qu'on a pu avoir ensemble, c'est ça qui est important. Et ça, je pense que dans tous les endroits de la Terre, on peut s'en rendre compte, faut pas avoir peur d'un monde globalisé s'il est fait à bon escient. Mais ça, c'est de la même manière que la technologie, je pense. Donc, Pierre est un peu no border, quand même. Écoutez, moi, j'essaie d'être logique avec ma pensée, et c'est pas forcément évident. Je pense que ça dépasse peut-être quelques cadres de frontières. Je crois qu'il faut vraiment en fait, on arrête d'être limité par ce que j'appellerais de faux problèmes, de se mettre en compétition les uns les autres, ou alors... On attend que ça la passe. Non, c'est bon. Je pense qu'il faut qu'on arrête réellement d'être ou des classes sociales, des espaces territoriaux, des cultures, etc. Qu'on arrête ces faux combats entre nous, parce que ça, c'est une sorte de diviser pour mieux régner. Et en fait, on perd notre énergie à essayer de comprendre les vrais problèmes et à essayer de trouver des solutions. Alors, j'ai bien compris que le principe de la globalisation, de la mondialisation ne pose pas de problème, on fait péter les frontières, à la limite, c'est un discours qu'on entend plutôt pas mal, c'est un discours qui peut être à la fois religieux comme il peut être politique, hein, le problème des frontières, on l'a bien compris. Pourquoi pas les faire sauter? Si je comprends bien, faire sauter les frontières, oui, mais à l'inverse de la mondialisation, c'est-à-dire que au lieu que tout soit basé sur la monnaie, l'argent, et qu'on ait une monnaie unique qui pourrait être mondiale, des discours à la Jacques Attali ou à d'autres penseurs du genre, quand on prend l'intitulé exact du projet, EBR 2012, il y a un principe d'économie basé sur les ressources. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce principe d'EBR? Alors, je pense que oui, je peux l'expliquer. Et je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que... Il faut se dire que si la monnaie n'est qu'un outil finalement de régulation de l'offre et de la demande en biens, il faut essayer de se dire que c'est un outil qui a eu son importance à un moment donné précis de l'histoire, qui nous a amené finalement énormément en termes d'échanges, etc. Mais c'est un moyen très aveugle de réguler l'offre et la demande en biens et services. Et en fait, on a des moyens aujourd'hui beaucoup plus pertinents de gérer ça. C'est-à-dire qu'en fait, si réellement... On se demandait, tiens, mais en fait, des outils de gestion, il en existe partout, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel ordinateur, à la maison, on peut avoir un logiciel de gestion pour ses comptes, etc. Et ça, c'est pas aveugle. Si vraiment on pensait que ce qu'il nous faut sur la Terre, ce sont les ressources, c'est-à-dire qu'on a besoin d'eau, d'alimentation, d'énergie pour faire fonctionner nos outils, de matières premières pour fabriquer les outils, des matières premières pour l'habitat, en fait, il faut plus qu'on pille ce qu'on fait actuellement pour essayer d'avoir un renouvellement constant des biens pour pouvoir faire du business, et donc faire vivre les gens sous la forme de salariés, d'actionnaires, etc. Tout ça, il faut qu'on dépasse ce système-là, et de se dire, tiens, en fait, si on a besoin des choses, il va falloir les penser autrement. Il va falloir les penser durables, il va falloir qu'on ait la capacité de se dire qu'il faut raisonner en termes de gestion au niveau de nos stocks terrestres de ressources, c'est-à-dire les localiser, essayer de comprendre quel est leur taux de renouvellement, parce que c'est très important. Aujourd'hui, on fonctionne dans l'idée qu'on pourra éternellement consommer les choses plus vite qu'elles ne se renouvellent. Et ça, mathématiquement, c'est pas possible.
tout simplement. Là. Enfin, on agit comme ça. Maintenant, quand on regarde l'ONU et son site, en préparant l'interview, je regardais que le site de l'ONU comptabilise hein, ce qu'on produit au niveau mondial, et qu'ils avaient émis un récent rapport en disant « Attention, un tiers de la production nutritive que le monde produit est gaspillée, il n'est pas utilisé ». Donc on a quand même un système de calcul mondial qui existe de par différentes instances de l'ONU. On a un constat qui est fait. Alors une fois qu'on a l'outil, l'ONU en a un, on pourrait l'améliorer. Hein, on entend bien le propos avancé, c'est-à-dire qu'il faut se servir de bien d'autres outils et essayer d'améliorer ça. Mais une fois que le constat est fait, qu'est-ce qui va faire que ça change vraiment? On le sait, en France, un quart de l'eau est gaspillée avant d'arriver au consommateur. C'est perdu, c'est dans les fuites, dans les réseaux, on gaspille un tiers de la bouffe, ok, on fait quoi? On change comment? Qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer dans ces idées-là, dans ces projets-là? Je crois savoir que tu as un outil, là aussi, Internet, à proposer, où on va pouvoir s'échanger des solutions, on va pouvoir, à partir de ces constats, continuer à faire évoluer ce principe d'économie basée sur les ressources. Contributo. Absolument. Alors, Contributo, en fait, c'est une idée qui est toute bête, toute simple. Moi, ça fait 3 ans, grosso modo, je pense comme la plupart des gens que je suis sur un réseau social, sur Facebook, on a tous vu quel était cet outil-là. On sait qu'auparavant, on pouvait communiquer également, hein. On avait des boîtes mail, il y avait des outils type Messenger, etc. Mais il n'y avait pas d'outils centralisateurs qui facilitent réellement la communication, l'échange de médias, etc. Comme Facebook, par exemple. On s'est rendu compte que c'était un outil très utile. Et si je fais le parallèle avec... finalement, la multitude d'outils de contribution qu'on peut trouver sur Internet, les wikis, les forges, les forums même, où les gens discutent, se trouvent des solutions, les tutoriaux, etc. Il y a énormément de formes de contribution, mais je n'ai pas trouvé finalement d'outils centralisateurs sur le modèle du réseau social, c'est-à-dire un profil, une page, on peut s'y fixer. Ça, je n'ai pas trouvé ça. Et ça, je me suis dit, putain, ça serait un outil vraiment super pour pouvoir essayer d'organiser demain et de finalement pouvoir faire en sorte qu'une idée créative, une proposition, puisse transiter sur tout un champ de compétences très diverses. Dans mon idée, comment pourrait fonctionner un site comme Contributo? Eh bien, en fait, il suffirait d'ouvrir un profil, de taguer l'ensemble de ces champs de compétences. Alors, les champs de compétences très divers et variés, on a tous, on le sait, de l'art à la technique, de la créativité, quelqu'un qui sait bien cuisiner, quelqu'un qui joue de la gratte, etc. Ça peut être extrêmement varié de quelqu'un qui comme est un scientifique, un chercheur, voilà, vraiment l'ensemble de ces champs de compétences tagués. Et en fait, ce qui serait vraiment, à mon avis, très efficace, ça serait qu'on pourrait avoir un espace, un petit peu comme quand on pose un statut sur Facebook, un espace où on pourrait poser éventuellement une question, proposer une idée et taguer sur cette question l'ensemble des champs de compétences qui nous semblent être ajustés par rapport à cette question. Cette question pourrait arriver sur le mur des gens qui ont tagué le champ de compétences requis et pourraient éventuellement eux-mêmes affiner le tir en proposant une spécialité plus affinée, etc. Et donc ça permettrait réellement aux bonnes idées de ne pas se perdre aujourd'hui. Si toi ou moi, on a une bonne idée, elle reste là. Comment la faire parvenir à des spécialistes, par exemple? C'est très difficile. Et donc, ça serait un outil super. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que les spécialistes sont souvent coupés, malgré eux, des idées générales, parce que leur point de vue est en trop gros plan pour pouvoir quelquefois prendre du recul. Sur la tête d'un guidon, quoi. Sur la tête d'un guidon, oui. Alors, moi, j'ai un exemple un peu précis de l'idée de comment la créativité peut faire avancer les choses. C'était il y a quelques années, je ne me rappelle plus exactement quand, c'est la NASA qui avait eu, en fait, de gros problèmes pour faire atterrir un robot sur Mars. C'est-à-dire que l'ensemble des contraintes de chaque couche d'atmosphère martienne avait des contraintes très, très, très spécifiques. Et en fait, malgré... toute leur science, toute leur spécialisation, ils n'arrivaient pas à trouver de solution, comme ça, ça ne percutait pas dans leur cerveau. Et donc, ils ont lancé un appel précis, et en fait, l'idée est géniale. C'est-à-dire qu'ils ont appelé quelqu'un qui n'était pas un scientifique, mais qui était un créatif. Ils ont fait appel à James Cameron, donc le réalisateur de Terminator, de Titanic, d'Avatar. Et lui, ce type, il est arrivé, et lui n'étant pas scientifique, mais plutôt dans des idées de science-fiction, etc., c'est pas fixé de limiter. Il a dit, mais tiens, mais les gars, mais si on faisait ça?
Et ça, si on pouvait le faire, etc. Et donc les scientifiques disaient ça, non, ça on ne peut pas faire, mais ça, en revanche, ça, oui, ça, plus tard, on sait le faire. Ça aussi, on sait le faire. Et donc il y a eu une sorte de brainstorming et d'émulation qui s'est faite, et ils ont trouvé des solutions. Et ça, il faut vraiment qu'on ait un outil qui puisse nous faire faire ce truc-là de manière plus générale. C'est-à-dire que la créativité, on en a tous. En fait, on est très riche en créativité, on a tous de temps en temps une bonne idée, tiens, putain, mais oui, c'est génial ça. Et en fait, il ne faut pas que ce soit quelque chose de gâché. Parce que on a besoin de les faire valider. C'est vraiment, on a besoin de les faire valider. Et puis, c'est peut-être juste une ébauche, en fait, qui pourra s'affiner, puis prendre un autre relief, une piste à laquelle on n'avait pas pensé. Et en fait, pour donner une autre image, on sait très bien que les outils dont on dispose aujourd'hui sur Terre ont en fait suivi un transit très très long dans l'histoire de l'humanité et se sont affinés petit à petit, en passant de main en main, de génération en génération, et sont devenus très fins à cause de ça. Et là, on a vraiment, si on se lançait dans un outil comme celui-ci, l'occasion d'avoir un affinage qui soit similaire à ça. C'est-à-dire qu'une très bonne idée peut passer dans plusieurs champs de compétences, s'affiner petit à petit, pour arriver à réellement, à un moment donné, une solution efficace. À mon avis, ça serait un outil qui nous permettrait réellement de poser le doigt sur nos vrais problèmes et d'apporter des solutions. Parce qu'en fait, si on regarde réellement à tous, on a toutes les solutions, puisqu'on a l'ensemble des champs de compétences requis pour avancer. Alors, il n'y a pas de proposition de solution proposée par Pierre. Il y a un outil, une idée générale, un sacré périple quand même, qui risque de durer un petit moment, un appel à la solidarité pour t'aider dans ce périple. J'ai une dernière question pour toi, Pierre. L'objectif sera atteint quand? Quelles seront les données qui te permettront de dire c'est bon, je sens que ça, la mayonnaise prend, mon objectif est atteint ou est en passe d'être atteint, ou voilà. Je pense que quand les constats et que les solutions éventuelles qu'on pourrait trouver ensemble ne seront plus perçues comme des idées bizarres, mais seront simplement des idées normales de conversation, à ce moment-là, pour moi, le pari sera gagné. D'accord, c'est un pari idéologique avant tout, et remettre les enjeux au centre de la table dans une certaine normalité. Absolument. Pierre, merci de nous avoir reçus. Merci à vous. On est chez toi, oui. Le départ est pour bientôt. Ah, dans quelques minutes. On va te laisser te préparer. Merci. À bientôt, et à bientôt. On te suivra dans le périple. Ça marche. Ouais. Départ sur une journée pluvieuse. Ça va être chaud. Alors voilà, ça y est, c'est parti, c'est le départ. Il est 13h pile, donc j'ai pris un peu de retard parce que on a fait une interview avec Théo, un ami qui a une chaîne d'information alternative, qui a filmé tout ça. Ça sera bientôt dans le fil d'actualité. Et bah Théo, c'est une bonne nouvelle, je le rencontre ce soir avec Romain puisqu'on dort chez lui. Donc on suivra ça. Vous avez vu la météo, elle n'est pas terrible, mais on va faire avec. Voilà. Donc Romain me rejoint dans un petit moment en vélo. Et bah c'est parti. Alors
vers les Baux-de-Provence. Alors c'est franchement vachement dommage qu'il fasse ce temps-là, parce que quand il fait beau, c'est très 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 joli par ici, hein. C'est les Alpilles. Et au Baux-de-Provence, en fait, j'avais fait un boulot un peu spécial. Il y a des grandes catapultes là-bas, et comme avec mes frangins, on faisait des spectacles de combats médiévaux durant un temps, mais j'avais animé tout un été. Alors on tournait, hein, avec mes frangins et un autre pote, et donc j'ai été catapulteur, on faisait un spectacle comme ça. Voilà, bah écoutez, pour l'instant, ça continue, le temps est un peu plus clément. Tout à l'heure, ça a beaucoup mouillé après Tarascon, et là, ça va un petit peu mieux. Donc j'ai pu sécher un petit peu, et voilà. Donc ça y est, ça tourne. Quelle galère, Pierre, hein. On choisit pas sa famille, on choisit pas ses amis. Hein. Bon, bah présente-toi, Romain. Donc moi, c'est Romain, l'ami de Pierre, un soutien infaillible. C'est bien, ouais. Quoi d'autre? Bah là, on peut dire géographiquement et dans le temps, il y a eu jonction, il y a quoi, il y a une demi-heure. Tu es parti un peu après moi, toi en vélo, donc toi tu, oui, portes parce les que affaires. Oui, moi j'ai une vie, hein, j'ai une vie de famille. Merci. Ma femme, ouais, je m'occupe un peu. Un pépé que j'ai nourri d'ailleurs aujourd'hui. Et voilà, donc je me partage. Voilà. Je crois que c'est day one, hein, Pierre, c'est le jour. Absolument. Départ. Oui, oui. Donc je t'ai rattrapé avec cette ruine. Qui sert de vélo et qui sert surtout à porter des affaires, hein. Hein, l'idée c'est ça. Et bien moi je vais marcher, rouler. Oui, toi tu vas rouler. À tes côtés pendant 4 jours jusqu'à Saint-Maximin. J'espère qu'on va trouver quelqu'un pour prendre le relais. Voilà, sinon ce pauvre vélo, ben, il va rester sur Saint-Maximin sinon. Et puis, ou alors je vais essayer de le convaincre de rouler au lieu de marcher. Non, mais j'ai commencé. Non, de sape. Ça marchera pas. Non, mais ça va rouler. Ouais, bah voilà, pas plus, hein, on verra ensuite. Alors, eh bien, nous sommes donc le soir du premier jour de marche. Vous avez ici Théo qui nous accueille, Romain et moi. Salut Théo. Salut. Romain, donc, qui est mon soutien et qui est là jusqu'à dimanche. Salut Romain. Et moi. Mais c'est ça, c'est-à-dire que le principe de l'alerte, les gens ont l'impression qu'ils maîtrisent le sujet. Et puis c'est une impression en plus qui est légitime. C'est-à-dire qu'au regard du train de vie qui impose la société, métro, boulot, dodo, j'ai en moyenne 7h30 à consacrer à mon travail, j'en ai à peu près 1h15 dans les transports, j'en ai 3/4 d'heure dans la nourriture, une demi-heure pour mes enfants, une demi-heure pour ma femme, et encore c'est si je suis pas sous Viagra, et 2h30 pour la télé, quoi. Donc dans ce contexte-là, le système économique, on a l'impression de maîtriser, parce qu'on regarde le JT comme tout le monde, parce qu'on a bien compris qu'on était dans la crise et que dans le système dans lequel on est, pour quelqu'un qui a compris qu'on était en période de crise, il a tout compris. Finalement, il a compris que l'État devait des dettes, que lui, bah, il a son petit crédit aussi, sa maison, sa voiture qui se tue à payer, et que bah, pour lui, la dette, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le fait qu'il soit levé à 6h du matin, qu'il se couche à 8h le soir, il en est bien conscient ça, 8h parce qu'il est trop fatigué pour veiller plus tard, et encore, il végète devant la télé, je sais pas s'il vit beaucoup quand il fait ça, mais en tout cas, voilà, la dette, pour lui, c'est bien ça, c'est bien ce qu'on dénonce, mais c'est pas la valeur qu'il y a derrière, c'est-à-dire que, voilà, c'est la dette. Mais rien ne pousse à avoir ce réflexe-là, quoi, d'aller chercher ça, quoi. Ben oui, c'est ça, il n'y a pas de réflexion de trop mesure, après tout, c'est posé, oui, je le sais. C'est-à-dire que je suis au courant de ce que c'est que la dette, je ne vais pas me piéger. Enfin, la dette, c'est de l'argent que je dois, c'est tout. La vraie question derrière le principe de la dette que les gens ne se posent pas, c'est qui l'a créé la dette, comment elle se crée, et surtout à quoi elle sert. C'est-à-dire que finalement, on pourrait se poser légitimement la question si la dette, ça sert qu'à faire des pauvres. Alors, qui font des pauvres?
Mais en fait, c'est plus vicieux que ça. C'est qu'il faut ramener des choses bien plus essentielles que les gens ne se posent pas la question. C'est au-delà de créer du pauvre, surtout de la dette, ça crée de l'argent. Et c'est ce vice-là que les gens ne comprennent pas. Parce que, à l'époque où on a un Franck Lepage qui nous fait une série comme Les Incultures, et qui dénonce le vocabulaire, quand on dit de la dette, on ne dénonce pas le fait de créer de l'argent. C'est utiliser un vocabulaire pour un autre. Je dis que je fais de la dette. Donc quand je fais de la dette, tout le monde s'imagine que c'est de l'argent qui disparaît. Parce que finalement, l'argent, je l'ai dans mon portefeuille. Et si je paye quelque chose avec, je le donne, cet argent. Il disparaît de ma vision. C'est ça. Donc pour les gens, le principe de dette, c'est de l'argent qui s'envole, qui disparaît. Et qui en plus en appelle d'autres. Finalement, la dette, c'est quelque chose où comme on paye des intérêts sur la dette, en plus, non seulement je vois m'envoler l'argent que j'ai dans la poche, mais je vois m'envoler celui que je vais devoir payer les mois d'après. Donc c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on pourrait appeler la création monétaire. Et le piège, il est là. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, ben, y a de la dette. Ils sont bien loin d'imaginer que chaque dette qu'on crée, c'est de l'argent qu'on crée. Et que si le pauvre, c'est celui qui encaisse la dette, et bien celui qui encaisse l'argent que vaut désormais la dette, et bien c'est le riche. Et qui s'est fait de l'argent sur une base inexistante, sur un rien, sur une promesse de pouvoir rembourser à la force d'un travail. Ce qui n'est pas rien pour celui qui travaille.